tes propriétés me rappellent celles d'un ami avant la guerre et un français extrêmement cultivé. Nous allons fouiller cette maison, monsieur. Ah, mon ami les sous-sous, vous vous souvenez de moi, Perlin, 1935? En effet, je me souviens, mais je crois que nous ne sommes plus du même bord maintenant. Plus du tout! Je viens réquisitionner les chouchous de la semaine! Car cela ne tient, je vous les donne. Merci mon père. Voilà, Linda Ronstadt. Ouais. Avec les chansons de son père. Yeah. Sting, que vous allez beaucoup aimer, enregistré au Brésil. Et Gilberto Gil avec une musique de film. Je les réquisitionne! Je vous les offre. Venez mon père. C'est ça que vous essayez de me dire, tout à l'heure. J'espère qu'il y a un goûter maintenant. Ah, je suis persuadé qu'il y a des sous-sous dans cette région. Ont réalisé des prouesses qui surclassent celles de leurs magnifiques aînés de la guerre de 1914. Certaines escadrilles ont à leur actif des exploits qui auraient paru il y a seulement un mois impossibles. Ici, Londres. Les bains parlent aux chouchous. Quels sont les chouchous de la semaine? Allô? Allô? Les bains, vous m'entendez? Ici, ouche-ouche, dans la clandestinité. Vous m'entendez? Je vous donne les chouchous de la semaine. Robert Plant, l'ex-chanteur de Led Zeppelin, et Dolly Parton de la country music, avec ses nouveaux sons, sa nouvelle voix. Mais où sont passées les gazelles? Je crois que nous avons perdu la guerre, messieurs chouchous. Croyez. J'espère simplement qu'au nom de notre ancienne amitié, vous accepterez de me donner les chouchous de la semaine. Vous l'avez demandé avec honneur, je vous le donne avec grâce. Voici le dernier disque de Mina. Voilà, rappelez-vous son visage sur le corps d'Arnold Schwarzenegger. Et un deuxième, je vous montre Elisa Wout, c'est de la musique planante. Je crois que vous en aurez besoin pour rêver. À bientôt, messieurs chouchous. À bientôt, monsieur l'officier. Quel est mon père? Qu'en vint le Seigneur, son notaire solide. Le temps brilla pour toujours. Ah, comment avons-nous pu faire la guerre à des gens comme ça? Qu'en vint le Seigneur, son père solide. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.